Un cheval qui est très bien placé derrière la voiture, déjà pratiquement côté corde, ce Lover Boy Zen, qui est un bon numéro pour un attentiste avant le coup. Les concurrents qui se mettent en route derrière la voiture. Petit peu la revanche hein, entre Mac Power et Prodov GMC qui se sont déjà affrontés sur l'hippodrome de Tongres, étant séparés du minimum ce jour-là. On rappelle qu'on est sur la courte distance, 1750 mètres. Alors, on est pris de vitesse avec le 3, hein, ça c'est clair. Prodov GMC qui se retrouve assez loin d'emblée. Avec également le 6 qui est pris de vitesse, c'est le numéro 4 qui prend la tête, Obi-Wan, relayé par Nikita, c'est le 5. L'As, Myrtle Walker est bien parti avec également le numéro 8, Mac Power. Le 3 vient dans son sillage, le 3 est un peu en retrait, pardon, et fait en cinquième position alors qu'on vient de faire la faute avec le numéro 8, Mac Power, pardon. Mac Power fautif qui a imité le numéro 7 pour le patron de vie, tous les deux disqualifiés sans doute en tête de course. Nikita assez plutôt inattentiste avant le coup. Obi-Wan CG qui le suit. Prodov GMC qui accélère devant les tribunes pour prendre le commandement. Sans doute dans quelques instants, le grandissime favori Porsche de Vive se rapproche en 4-5e position et débouché par Yo Corbani. Orienta S suit sa progression. Allez, on est à un tour du but avec Prodov GMC, le favori qui a pris les choses en main. Dans son sillage, Nikita, c'est à l'extérieur, né au vent, c'est Porsche de Vive, le 6 qui emmène le 10 Orienta S. Côté corde, il y a toujours Obi-Wan CG le long de la corde avec Myrtle Walker, l'As qui est dans son dos. Parmi les derniers, on retrouve Isonza, le numéro 9. Le grandissime favori qui a pris le commandement après un tour de piste pratiquement parcouru par le peloton, accompagné par Porsche de Vive qui est tenu en alerte par Yo Corbani. Le très bon parcours pour le numéro 10 qui se fait oublier depuis le départ, c'est Orienta S. Côté corde, Nikita AC. Et l'épreuve est tout de même très rythmée. On va toujours deux par deux pour le dernier passage, la ligne d'en face. Ouais, on va bientôt se diriger vers le tournant final, toujours sous la conduite de Prodov GMC, chaud favori de l'épreuve, avec Porsche de Vive à l'extérieur, Nikita AC qui s'enlève des ressources, Orienta S qui vient en quatrième position, le 4 un peu plus loin, c'est Obi-Wan avec l'Overboy Zen qui vient également assez facilement. Orienta S qui s'annonce en troisième épaisseur, le favori qui tente de se sauver dans le dernier virage. Prodov GMC qui prend dessus le qui d'avance, ce n'est Nikita AC, Porsche de Vive, Orienta S qui tente de suivre la comparaison et l'Overboy Zen qui n'est pas encore lancé. Ouais, avec l'Orienta S qui vient très fort à l'extérieur, l'ultime à droite avec Prodov GMC qui semble déjà avoir course gagnée. On lutte derrière pour la deuxième place avec le numéro 6, Porsche de Vive, avec le 10, Orienta S avec également Nikita AC, et puis tout en dehors le numéro 4 qui finit fort, Obi-Wan, le 3 qui a course gagnée depuis bien longtemps. Hein. Prodov GMC, la deuxième place peut-être pour Porsche de Vive, le numéro 6 qui va résister sans mal aux deux Loverboy Zen, alors que l'on terminera quatrième avec le 4 Obi-Wan. Et série continue pardon, pour ce numéro 3 Prodov GMC qui s'impose très facilement ici pour son retour à